Et salut tout le monde, c'est Raziel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite des épisodes sur Far Cry 5 et on va démarrer tout de suite, on va essayer dans cet épisode de faire le plus de choses possible en commençant par ce silo qui est ici. Ensuite on essaiera d'aller au Ranch des Seeds. Ah oui, carrément, c'est le Ranch des Seeds. Oh, ça a l'air beau. Oh, ça a l'air beau. On va essayer de prendre cet avant-poste et ensuite on se dirigera tout doucement en suivant cette route vers Ryanson Aviation. Et je pense que ce sera déjà bien pour cet épisode. En attendant, on va péter ce silo. Et boum! Et voilà, un silo explosé. On est toujours en compagnie de Boomer. Boomer, allez, viens ici, mon chien. C'est bien, mon chien. Ah, pas de l'échou aujourd'hui. D'accord, pas de l'échou, c'est bien. C'est bien, mon chien. T'as bien appris. On va essayer de trouver une voiture. Dans l'immédiat, ce serait bien, même s'il y a tout qui brûle là. On va reprendre les grenades. What? Où? En face? Ouais. Il y a Jean-Louis. Et Jean-Louis est mort. Eh, t'as quoi comme arme? Ah! Ah! Mon mulet! Non! Mon chien, viens me sauver, viens me sauver, viens me sauver! Oui, c'est bien le chien. Allez, Boomer! Vas-y, relève-moi. Tonton, il a fait une connerie. Plutôt papa. On va prendre la voiture qui est là et on va partir tout de suite. On va mettre un point sur la map. J'avais dit le silo, puis le ranch des Seeds. C'est parti, on va prendre la voiture. Let's go! En tout cas, la conduite est vraiment bien faite dans le jeu. Je kiffe un peu. Le jeu est quand même beaucoup plus libre que Far Cry 3. Et le 4, j'ai pu le tester, mais je l'ai jamais fait personnellement. Mais je suis pas un grand fan. Salut, au revoir. Oh! T'as même pas vu que tes potes sont morts? Non. Ok. T'es vraiment aveugle, hein, mec. J'ai peut-être passé le jeu en difficile, j'ai trouvé dans les options. Je vais faire cet épisode comme ça et puis je verrai bien pour la suite. En tout cas, le système d'XP, donc comme vous voyez, pour un petit peu expliquer. Comme vous voyez là, les événements là qui pop comme ça avec des otages à sauver, tout ça, plein de choses. C'est des événements aléatoires qui pop sur la map, peu importe comment et quand. Allez, salut mec. Du coup voilà. Je tenais à préciser ça. Ce qui fait qu'en fait le jeu est totalement aléatoire et c'est ce qui rend le jeu assez jouissif parce qu'on s'attend pas à ce que des choses arrivent à n'importe quel moment. Je vais juste regarder ma map pour savoir si je suis le bon trajet. Ouais, non, c'est bon. Coucou. Eh, hey, touche à mon chien, toi. Par contre, oh oh. Ok. Et une petite tête, c'est ça qui fait plaisir. Par contre, non, pas ma voiture. Ah, elle a envie. Oui. Ou alors je prends la leur et je me mets en mode full infiltration. Il est mort. Next. Non, ils ont balancé un truc fumigène. Je vais pas prendre le petit flingue du coup. On va piller ça. Quand mon chien il est mort. Oh doudou. Mais doudou, y a pas un épisode où tu meurs pas toi. T'es comme papa, hein. Ah oui. Ah ouais, du coup en fait les gros guns je peux pas les changer à la place du petit flingue. Donc le petit flingue je suis obligé de le garder. Donc c'est une arme de poing, on va recharger toutes nos armes, on va piller les cadavres.
Donc lui, il a un petit pompe. Allez, salut. Ok, salut. Salut, salut. Là, il y a un barrage. On va marquer aux jumelles. Tac. 1, 2, 3, 4. Un sniper. Un mec qui sonne l'alarme. Du coup, je vais m'occuper du mec qui sonne l'alarme en priorité. Tac. J'aurais peut-être dû prendre une lunette. Un peu mieux. Oula, je vais attendre de récupérer mon souffle. Pouf. Il m'a vu. Ouais. Ah, je l'ai touché. Ok, nice. Nice, nice, nice. Je pense que je dois tourner sur la droite. Ok, c'est bien ça. Du coup, on va y aller. Oula, il me reste qu'une balle. Oula. Si je trouve une autre arme, je vais changer. Parce que là, je vois mon sniper. Si je peux pas. Oh, il y a un silo là-bas. Je vais d'abord aller péter le silo. C'est ça? Ouais. De toute façon, j'ai 350 mètres à faire. Attends, il y a une maison là. Oh là là, il y a tellement de choses à faire. Je suis dubitatif. Oh. Oh, on peut monter là-haut. Vas-y, Boomer. Marque-moi les ennemis si on a. Oh, bonjour, madame. Content de voir qu'on n'est pas seul contre cette secte. Ah ouais. La résistance aurait bien tu besoin sors de les lance-roquettes, toi. Oula. Zikra, y en a un et je suis sûr qu'il serait prêt à nous rejoindre. À côté de toi, à côté de toi, à côté de toi. Ouais, y'a pas de soucis, Bibiche. Allez, salut. Waouh, ils font pousser des plantes de drogue. Ouais, c'est ça, c'est des plantes de... c'est les plantes à la drogue là que essaient de me faire bouffer. De toute façon, il y a toujours une histoire dans les dans les Far Cry avec un petit peu de la drogue. Il y a un hélico. Oula. Par contre, je vais prendre. Il me reste qu'une balle. Uh-huh. J'aime pas ce fusil d'assaut en vrai. Il y a un hélico de là. Ici, il y a un avertissement. On me donnait sûrement un endroit de silo. On va aller au silo qui est pas très très loin. Qui est juste là. Mais non, je suis pas là sur la map moi. Ah ouais, d'accord, ils m'ont pas donné le bon silo. Donc, je suis parti là, le silo je l'avais vu là-bas. Ok, en place sur la route. Impossible de le manquer. Oh là là, par contre il me reste une balle, c'est un peu la dèche. Yes. On a découvert un silo. Oula. T'as des balles de snipe toi? Ah non, t'es pas un sniper, ok, t'es un mec. Par contre, je vais prendre ton Uzi. J'entends des trucs. Ok. Je pense que c'est bon là. Nice. On a détruit le silo. On prend la carabine. Libérer l'avant-poste de la secte. Let's go les amis, let's go. Mais non, mais mon chien. Mais non, mon chien, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là. C'est toi qui fait les épisodes. Mais j'ai trop besoin de toi. Allez, viens. Allez, viens, boum boum. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on y va. Oula, il y a une lumière verte là-bas. J'espère qu'ils n'ont pas déjà déclenché l'alarme. Faudrait trouver un point en hauteur. Histoire de marquer les ennemis en avance. Même si Boomer le fait à ma place. Mais c'est juste pour choper ceux qui activent les alarmes.
va y aller tranquillement, sans se presser. Il y a un sniper là-bas au-dessus. On va essayer de prendre de la hauteur. Je vais commander à Boomer. Le sniper il est mort. Voici, déclenche pas l'alarme. Oula! Oula, des mortiers, des mortiers! Non, non! Allez, on se bande. Non, ils ont déclenché l'alarme! Foiré! Non, des mortiers, mais ça c'est triché ça! Ça c'est triché! Oula! Oula! Le premier qui passe ici, on en a pied. Ok mec, t'as fait une erreur, t'aurais jamais dû aller sauver ton pote. Allez, salut. Oh, je t'aurais pas. Les renforts arrivent côté nord. C'est bien le chien. Carabine, on charge tranquille. Et il y a un avion. Ok, un. Les deux. Le tempo. On n'utilise pas. Bon, vous savez quoi? On va utiliser un medikit, même si ça sert pas à grand chose là. On est touché. Une petite tête. On a un là, un là. J'ai. Touche pas à mon chien. Oh, je suis tombé. Oh, je vais recharger. Et boum. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce à Boomer, encore une fois. On a quand même bien géré. Et le ranch, il est insane. Il est trop beau. Ah, je kiffe trop les ranchs comme ça en pleine forêt. Oh, la petite musique. Allez, on dégage les photos. Et voilà, on met le vrai drapeau américain. On met pas les vieux drapeaux religieux dégueulasses, bizarres. Enfin, c'est même pas des drapeaux religieux. On enlève les drapeaux de la secte. Oh. Alors, comme ça, tu as pris ma maison au nom de ta petite résistance. Eh ouais. Ah, t'as le seum, hein. Allez, ouais. Allez, on va essayer de vendre le butin. Oula, j'ai choisi. On a un. Donc, on a vendu les pots. En termes d'armes, par contre, j'aimerais bien avoir la carabine spéciale qui est. Non, c'était pas celle-là. En vrai, c'était pas celle-là. Fusil de Jacob, non. Ah oui, la carabine. Elle est là. Oh, il est trop beau. Elle est trop belle. 3600. Ah mais non, c'est pas une carabine. Ça c'est une carabine. Ça c'est du .308. Précision 7. Et ça c'est quoi du coup? Fantôme de Fall's End. Vous savez quoi, à la place de ça, je vais garder la carabine, je vais enlever le snipe.
Ici par contre, tac, tac. Je regarde les viseurs, ça c'est quoi? Ranger amélioré, conçu pour les tireurs sportifs visant l'or et les autres métiers pour les perdants. Non, c'est check. Ça c'est un viseur réflexe. Vous savez quoi, on va laisser comme ça, on va juste refaire le plein de mun. Allez, let's go, de toute façon on n'a pas beaucoup de thunes. J'espère que quand ça sera fait, j'accrocherai ta peau comme un trophée au-dessus de la cheminée. Ah ouais, bah essaye. Donc du coup, on va essayer un peu de fouiller l'endroit pour avoir un peu de thunes. Ici Marie-Mé Fairgrave, à Folgend. Je voulais juste vous dire que vos exploits inspirent pas mal de monde. Vous nous avez tellement poussé qu'on s'est débrouillé pour reprendre Folgend. Mais on aurait quand même besoin de votre aide. Passez au Spread Eagle si vous avez une minute. Je reprendrai le fusil d'assaut après. Au début, on utilise les armes qu'on avait dans la famille. Donc ça, c'est un gilet pare-balles. Ici. Ah, un point. C'est pas un point de compétence, ça? Ah non, c'est juste pour me dire qu'il y a des serres. Où sont les serres de Virginie? Donc ça, c'est toujours la maison. J'espère pour toi qu'ils t'embarqueront jamais. Bah, t'inquiète. Ils m'ont déjà embarqué plusieurs fois. Hein. À chaque fois, ils font l'erreur de pas me buter. C'est triste. Du coup, on a pris toute la maison. On a fouillé l'intérieur. On va essayer de finir de fouiller là. Là, je sais bien qu'il y a un avion. Du coup. On peut prendre les plantes? Ah bon? Ah tiens, j'étais pas au courant ça. Par contre, je vais faire plus attention aux plantes du coup la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a ici? Là, des études, là, l'étude détonateur. Oh, j'ai raté. Boum. Bon, au moins on a pu tester le rocket. Par contre, il m'en reste qu'une. Et à mon avis, les munitions de rocket, c'est pas donné. Je vais peut-être reprendre mon flingue après. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, une borne d'arcade, un message. Il est mortel. Il est mortel. Mais non, mais mon chien, il est mort. Mais non. Boomer! Je t'ai pas touché? Ah non, c'est eux qui t'ont tué, mon chien. Oh, boomer. On va retourner à la boutique d'armes. Il doit être par là. Elle est aussi loin que ça? Attendez. Mais... Ah, je me gourde de touche. Il y en a un peu partout, en fait, des boutiques d'armes. C'est quoi ce délire? Ah, elle est là. Ah, mais non, mais. D'abord. Arme, je reprends mon fusil d'assaut. Un peu de respect, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est la carabine bannière étoilée. Et 45-70, ça a l'air d'être un fusil d'assaut pompe. Je sais pas comment expliquer en fait. Alors, le fusil d'assaut, la cadence de tir, c'est 8. Là, c'est 5. On dirait un semi-pompe, j'ai trop envie de tester quoi, j'aime bien. Donc on va juste reprendre. Tac, ceci. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que normalement, il y a une arme que j'ai récupérée, celle-là, parce qu'elle fait partie du. Enfin bref, dans tous les cas, c'est pas très très grave. Non, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave dans l'ensemble. Par contre, on va parler à lui parce qu'il a, à elle parce qu'elle a des informations. Les Laurel nous ont informé que leur bunker était compromis. Compromis ? D'une inondation. Ils ont vidé les lieux, mais ils nous ont dit qu'on pouvait servir si jamais on trouvait quoi que ce soit. Ok, merci. Ça c'est une cage de survivaliste. Ok, pas de soucis. Il y a quoi en haut ? Au passage, on fouille, hein. Là il y a le toit du bâtiment avec l'avion. Ici sur le top. Ça se fouille ça. Ok, on est plein. Maintenant c'est juste avoir une position et deux. On va redescendre. On va prendre le message là. Comme ça on aura tout pillé dans la zone. Ok, nice. Oh non.
Allez. Il y a une mission ici. Attire d'elle, mission principale. Il y a sans arrêt du nouveau. Oula, j'ai jamais conduit, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça c'est pour tirer. Ok. Non mais. Hey, ici Nick Roy. Vous êtes qui? Où est-ce que vous allez avec mon avion? Saloperie de cinglé. Ah non mais. Mais attendez. Les cinglés sont pas assez cons pour faire ça. Merde. C'est vous l'officier dont vous. Eh oui. Je me trompe. Vous devez me rapporter cet avion. Y'a qu'avec lui qu'on pourra s'enfuir. Mais j'ai besoin d'être sûr qu'ils l'ont pas trafiqué. On va lui faire passer 2-3 tests. Virez à gauche au crop circle et suivez la rivière au ras du sol. Ok. Allez, on conduit. En tout cas, c'est bien la conduite. Par contre, j'ai failli me viander. C'est soit du courage, soit de la bêtise. Mais dans les deux cas, je vous dois la vie. Et ma famille aussi. Les cinglés nous ont attaqué chez nous alors qu'on s'apprêtait à décoller. Ils ont pris mon avion et j'ai dû tout faire pour nous sauver. J'ai presque plus de munitions. Oula. Non, non, non. À l'aide. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un looping. J'ai inversé mes commandes. J'arrive. Ah. Et c'est pas si évident que ça en fait, les amis. Ah. Ouais mais... Ah, il y a ma tête qui tourne avec. Je vais en piquer. C'est bon. J'aime pas les avions. Ah, la conduite en avion. Putain, s'introduire dans Rush de John et en ressortir en un seul morceau. Moi je chasse le poisson avec ça. Merde, j'aurais payé cher pour voir la tronche qu'ils ont tirée. Quelle bande de cons. Eh ouais, quelle bande de cons, comme tu dis. En tout cas, les forêts, les lacs, c'est trop beau quoi, le montagnard, c'est dingue. Ah ouais? Ah, et du coup, en fait, sans le vouloir, je fais aussi une mission Rail and Sun. Ah, Esturgeon. Ah oui, il y a aussi la pêche que je n'ai pas parlé dans le jeu. Du coup, là, je passe au-dessus des lacs. Et Vous approchez d'un embranchement dans la rivière. Virez à droite. Ok, ça va, je vire. Ah ouais? Et encore, le bébé est même pas là. Ouais, je te comprends, mec. Oula, une tribu de caribou. En prenant la fuite pour protéger ma famille, moi ça me va. Vous êtes pas d'accord? Si. Par contre, c'est vachement long là, les anneaux et tout. Je vais conduire encore longtemps comme ça? Ok, j'ai compris, c'est une mission, tu racontes ta vie et moi je conduis, c'est ça? Oula, il y a des ennemis partout ici. Ah ouais? Merde, il était tellement cool.
Je suis le prochain Clutch Dixon. Eh ouais, j'ai déjà réussi son premier test. On peut larguer des bombes. Ouais, c'est bon. C'est bon, je fonce, Bibi, je fonce. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On gère. Ok, donc là. Tac, tac. J'ai la tête qui tourne. Let's go, let's go, let's go. L3, F3 pour faire le plein de munitions. Bon, merci. On dit que le plus dur c'est d'atterrir. Mais je vais vous montrer comment faire. Alignez la piste droit devant vous, tout en vous rapprochant progressivement du sol. Ok, c'est bon, je l'aligne. Progressivement, progressivement. Ok, nice! Nice! On a notre permis pilote d'avion cette fois-ci, c'est cool. Ah mon dieu! Ah mon dieu, j'y crois et pas! Et voilà, t'as ton avion tout putain beau, tout frais. Mère, bravo. Vous êtes top, et merci. En fait, on a rencontré Ray Lenson. Sans le vouloir, on a fait notre la quête qui était liée à lui. Et c'est cool. On le tourne dans l'autre sens. Allez, on y va! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on l'en met dans le hangar. Ah, t'es content, mec, hein? Je dois dire, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression que la chance est vraiment de mon côté. C'est moi, la chance. Putain de taré. Kim, allez! Putain, dites-moi juste qu'ils ont rien bousillé. Mais non, t'inquiète, j'ai fait un peu de tout. J'ai même fait un looping sans le vouloir. Depuis trois générations. Vous vous rendez compte? Kim, tu te dépêches? Et il l'avait bichonné, hein? Ton avion, il l'a mis dans le garage, tout ça. Des fois. Enfin, mon dans le hangar plutôt, un garage. La guerre. Un peu plus petit. Il était super fier. J'ai fait quelques modifications au fil du ah temps. Ah ouais. Kim, tu veux bien te dépêcher? C'est ta femme, Kim. Quoi? Mais elle est pas enceinte? Mais non. Oh là 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 là. Ces enfoirés, ils nous lâcheront pas. Je me défends dans les airs, mais vous, vous êtes encore meilleur au sol. Je les prends d'en haut et vous d'en bas. Vous en dites quoi, partenaire? Allez, mec, on est des partenaires. Kim, cherche partenaire particulier. Eh, vas-y, mec. Tu me couvres. Let's go, let's go. Par contre, j'ai quoi comme arme? Je sais même plus. Je crois que j'ai une carabine, le petit flingue et mon fusil d'assaut. Ok. Tiens! Et boum! Un coup de pied dans les fesses! Non, Kim! À l'étage! Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Touche pas à sa femme! Ok, on gère. Faites gaffe, les tarés s'attaquent au hangar. Au hangar? Ouais. Attends juste deux secondes, mec, je pille ta maison. Le hangar, c'est par où? J'arrive. Ça crame de partout. On va prendre les grenades.
Ok. Ok, let's go, let's go, let's go. On est chaud, on est chaud. Ok, nice. Pas besoin de toi, mec. Je vais me venger et touche en bouche. Oh, nice, mec. Nice. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Ce qui est bien, c'est que tu m'as laissé boomer. Tu m'as laissé boomer. On recharge toutes les armes. Ok, c'est rechargé tout de suite. Ok, on va reprendre le fusil d'assaut. Ah, boum. Boum. Et boum. On y voit plus rien. Allez, vas-y, on grimpe. Et boum. Ok, je crois qu'on est tranquille, partenaire. Eh ouais. Je redescends. Let's go, je pourrais taper une émote, je le ferai. Et voilà, c'est comme ça qu'on règle un problème. Allez, on s'en va. Non. Non. C'était express, hein. On est chez nous ici. Non mais Kim, t'as pas l'air de comprendre. Quoi, je comprends pas quoi. Le bébé. Ils volent nos terres et ils enlèvent nos amis et font encore d'autres horreurs. Le bébé. Kim. Nick, ton grand-père a tout construit ici. Tu veux vraiment tirer un trait sur tout ça? Le bébé. T'arrêtes pas de dire que t'espères que notre fille reprendra ton affaire. J'ai parlé de transmettre mon affaire à un fils. Tu as vu l'échographie, c'est une fille. Mais c'était sur un vieil écran en noir et blanc, c'est pas comme si on y voyait mais quelque qu'est-ce chose. Qu'est-ce que ça change, que ce soit une fille ou un mec? Et ben voilà. C'est bien, mec, prends soin de ta femme. Je t'aime. Oh. Moi aussi. Bon, officier. Je crois que les rails ont décidé de vous aider. Eh oui, on fait des gosses, même en temps de guerre. Hey, écoutez, si vous faut un soutien aérien, surtout faites-moi signe. Ok, pas de soucis, mec, je penserai à toi. On sera comme Bonnie and Clyde. Il est vraiment cool comme mec, en tout cas. Très sympathique. Prenez bien soin de lui. Pas de soucis, madame. Pas de soucis. En tout cas, c'était bien cette mission. C'était explosif. On a conduit un avion. Je prends mon avion. On s'est bien amusé. Tout ça. On a pu faire pas mal de choses. Et Boomer est à l'autre bout de la map. Il s'amuse. Il chasse tout seul. Du coup, on a gagné Nicky Rai en tant que partenaire. 900 points de réputation. Et... On va laisser ça comme ça. On va attendre qu'il finisse de parler. Nick, c'est un bon gars. Veille bien sur lui, d'accord? Cette famille, c'est un symbole d'espoir pour tout le comté. Coucou. Et c'est sur cela qu'on va se laisser, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, ciao ciao.